proviennent les images des forces armées canadiennes lors du jour J et de la libération de l'Europe de l'Ouest? Des caméramans militaires, comme le sergent Hugh McCoy, ont été responsables de les capter. Les caméramans se mettaient en danger. Les obus de mortier, les bombes et les balles en ont tué ou blessé plusieurs. McCoy a atterri à la mi-juillet 1944. Le 25 juillet 1944. Ma première journée sous le feu. J'ai quitté le camp à 4 heures ce matin et j'ai traversé la rivière Orne à Caen. J'ai suivi la 2e division au combat. J'ai toujours été surpris de voir le cameraman se lancer dans la bataille armé de leur caméra. Ils filmaient malgré les obus qui tombaient autour d'eux. Les scènes filmées à l'époque sont devenues la séquence historique emblématique que nous utilisons aujourd'hui pour comprendre l'expérience de la guerre du Canada il y a plus de 75 ans. Ces images étaient renvoyées à Londres, où elles étaient montées en production cinématographique canadienne. Ainsi, les Canadiennes et les Canadiens pouvaient avoir un aperçu de ce que faisaient les membres de leur famille et leurs proches outre-mer dans le combat contre le fascisme. McCoy a survécu à la guerre et est retourné dans sa ville natale à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ces séquences de combat ont survécu à ce jour.